Hello et bienvenue dans cette petite vidéo. Alors, c'est un petit bilan qu'on va faire de l'Almanach du 3, qui était l'économie d'ingrédients au village d'Amakna. Donc pour cette économie d'ingrédients, je vais séparer la vidéo en deux étapes. Donc j'ai d'abord préparé quelques items que vous voyez, des items de chasse légendaire. Comme ça, je les brise et je vois les petits coefs. Et la deuxième partie, bah, j'ai préparé toutes les ressources pour 10 stuff 199 parce qu'il serait temps de stuffer nos deux teams de 6 respectives à moi et mon co-teamer. C'est bon. Je vais donc vous montrer les petits crafts que j'ai fait en arrière-plan. Et également, je vais vous montrer ce que j'ai dépensé pour pouvoir craft tout ça. Je vais donc briser quelques items panthère rose et la cape d'Acham, et le reste je vais le garder pour des futurs stuff 200. Alors on se retrouve donc pour le brisage. C'est les runes que je vais obtenir après ce brisage, je vais donc les garder, comme ça je vais pouvoir FM les 10 stuff du coup que je vais faire. Il me faudra un bon petit paquet de runes, mais je compte pas faire des FM incroyables, hein, c'est rien que maximiser les stats qui sont importantes, ça me suffira. Donc voilà, on commence par le petit string fouetteur pour voir ce que ça donne, hein. Donc on part sur Profus, et il n'y a pas vraiment Imagiro du coup depuis la fusion, donc j'ai pris Hagrid, mais je sais pas si ça va être très représentatif. Et donc voilà, je voulais juste voir ce que ça pourrait donner. Donc si je devais focus, est-ce que ça pourrait donner en fonction des pourcentages que je peux avoir. Donc c'est pas dingue, hein. Mais je m'attends pas à grand chose, j'aimerais juste être un petit peu rentable ou au moins remboursé. Donc voilà, 357%, bon, ouais, je crois pas rembourser, et je rembourse même pas la ressource légendaire de Panthérose, mais bon, c'est pas grave, hein, je m'y attendais un peu. On passe à l'anneau tranchant qu'on regarde sur le feu, sur le petit Profus. Et donc pareil, hein, je sais plus trop avec combien la ressource, mais bon. Ouais, voilà, pas dingue. Bon, on passe très très vite, on passe en masse de Panthère Rose. C'est pas très grave qu'on perde des Kamas parce que les ressources légendaires m'ont pas coûté. Je les ai pas achetées, j'ai fait les chasses légendaires et je les ai achetées pour pas trop cher. Les cartes sont assez cool, donc on regarde le petit masque que j'arrive pas à trouver, hein, c'est dingue. Ah, voilà, c'est bon. Pareil, c'est toujours aux alentours de 360 000, un peu plus là, 476 000. Bon. Quelques petites runes d'eau intéressantes pour les futurs FM. Donc là, on va passer à la cape, je pense, parce que oui, les sabres et le chapeau de gagne, j'en ai besoin dans des futurs stuff de sang, donc. Bon, ce sera dans longtemps, mais je préfère les garder, donc on va briser la cape. Donc ouais, la cape, ça, la ressource coûte un peu plus cher, donc j'espère avoir un peu plus de runes. Mais oui, bon, je sais pas si je vais pouvoir rentabiliser tout ça. Ouais, bon. Au moins, ça me permet d'avoir un petit stock de runes, donc c'est pas très grave. Donc voilà. Bon, 1 million 9, Je crois, ouais, c'est assez cool. Bon, je crois que le craft est plus cher que ça, donc si j'avais vendu la ressource, je me serais fait plus de kama, mais bon, ça rembourse, donc c'est ok. Ouais, voilà, on va regarder 1 million 1. Bon, faut surtout la vendre, et avec les taxes de mise en vente en HDV, c'est assez relou. Ouais, les dés du chaleur qui gâchent tout, là, bon. On est à 1 million 5, là. Bon, ça va, on gagne un peu de kama, donc c'est ok. Voilà, le reste je vais pas le briser, donc la session FM était assez courte, mais de brisage était assez courte, mais on va s'arrêter là, je pense. On est maintenant parti sur la grosse partie de cet almanach, du coup le craft des 10 stuff. Donc j'ai assez de chance, le Yop il a pas mal de postes, donc j'ai pas eu à faire beaucoup d'aller-retour. Et le coffre de guilde a été assez utile pour réunir les ressources, mais oui. J'ai donc mis tout ça dans l'atelier.
dans l'atelier de Dofus Book pour avoir toutes les ressources. Et donc il y avait pas mal de galets qu'on avait besoin. Mais donc je vais vous montrer à l'écran les petits stuffs. Donc j'ai besoin de deux stuffs pour l'hélio, parce que j'en ai un et mon Kochimaru aussi. Un petit stuff Feka R. Ensuite on a un petit stuff Oza. Et donc oui, il y a des petits Gelano BAPM parce que faut rester assez low cost. Donc un petit Ujio, un Sacritaire. Et oui, j'ai essayé de garder le plus d'items qui sont présents dans leur stuff 200. Et donc j'ai déjà fait tous les shorts qui présentent ces petits stuffs. Donc si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller checker les shorts correspondants. Donc voilà, on arrive au dernier. Donc on arrive à 10 stuffs. Et j'en ai déjà craft 2, j'en ai déjà 2 qui sont stuff 199, donc ceux-là, bah, on les laisse tranquilles. Donc voilà, on a aussi 2 sèves de trempe que j'ai pu drop, j'ai eu assez de chance. Hein. Donc j'en profite aussi pour craft des bottes de cœur saignant, mais ça sera en fin de vidéo pour voir si j'en garde ou pas. Mais oui, donc pour les petites stats, de dépenses et tout. Donc j'ai commencé avec 211 galets et 211 galets brésiliens. C'était ce qui m'a coûté le plus cher, rien que les galets par rapport à toutes les ressources, les autres ressources. Donc alors j'en ai eu pour environ 32 millions sur les ressources, 32 millions de kama. Et alors sur les galets, j'ai passé quelques semaines sur le canal commerce et donc j'ai pu acheter 211 galets brasillants pour un peu moins de 55 millions. Donc ça me fait un total de 87 millions de kama. C'est quand même pas mal. Hein. Et donc j'espère économiser surtout les galets brasillants, c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Et donc on se retrouve à la fin pour voir ce que j'ai économisé.
Moi, donc malheureusement, il n'y a pas d'atelier des façonneurs au village de Makna, donc j'ai quand même décidé de les craft parce que bah j'aimerais bien les équiper ces stuff, donc tant pis pour l'économie. Et donc il me reste une dernière chose à craft, c'est donc ces petites bottes de les bottes du cœur saignant. Donc c'est pratique, là il y a un atelier des paysans et des cordonniers, donc hop, on passe sur les bûches et yes, on économise une sève. Donc je sais pas trop ce que j'en fais, est-ce que je recrafte ou pas derrière. Bon, j'ai décidé de la garder pour l'instant. Et là pareil, les bottes, on voit si on économise une bûche ou pas. Ah non, le petit bug. C'est un peu triste, mais ouais. Bon, c'est déjà assez cool, on a économisé une sève. Et voilà pour le petit bilan d'économie. On économise une sève et 29 galets brasillants. Donc ça fait environ 8 millions de kamas sur les 55 millions dépensés sur ces galets. Voilà, assez content. Donc si je regarde les estimations de l'inventaire en enlevant les idoles, ça me fait environ 33 millions de kamas d'économisés. Donc j'ai donc dépensé environ 87 millions, mais j'avais déjà pas une grosse partie des ressources, donc ça m'étonnerait pas que le coût de craft monte vers les 120 millions, mais ça reste très clairement une bonne économie, ce petit almanax. Et donc pour regarder les petits stuffs, ça me fait donc une estimation de 166 millions de kamas de stuff. Assez correct. Et il faudra donc FM tout ça. Ça va être une assez grosse galère. Je vais pas faire des FM incroyables. Hein. Je vais juste essayer de maxer les stats qui nous intéressent sur le perso. Comme ça, ça va un peu plus vite. Sinon je vais y passer des semaines et beaucoup de kamas, j'ai dépensé beaucoup de kamas dessus aussi, donc c'est pas le but. Mais oui, je compte sortir une vidéo FM, des petits extraits. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bah je vous dis à la prochaine sur l'aventure D18. Allez, salut !